pour répondre au règlement qui demande d'avoir 20 secondes d'écart entre les trois garçons sur la ligne d'arrivée. Ils ont pédalé, c'est le cas de le dire, avec leurs bras pour faire le mieux. La dernière équipe est déjà là sur le plateau, l'équipe 227. C'est une équipe qui représente la Bretagne, PZH, qui sont l'abréviation de Braise, qui donc la signification de la Bretagne. Les voici tous les trois pour essayer de venir faire mieux que ce qu'ils ont fait hier et changer un peu le classement final. Trois garçons, Mathurin Mador, Paul Houlen et Malo Kemmerer. Voilà, ils ont réalisé deux magnifiques croisements là dans la porte 10 et 12. C'était vraiment réglé comme du coup. Allez, et là, le troisième vient se couler parce qu'il n'y a pas de... Ça dépend de voilà, l'attente parce que j'ai arrivé un petit peu près. Si on choisit la stratégie croisée, c'est-à-dire que le premier part par le croisé, la rue qui est au cap, ça, vous n'allez pas le faire, ça allait sûrement rentrer au contact. Et là, on peut surveiller aussi cette bruit qui est compliquée, qui s'est classée 10e hier. Alors avec le pont, la bruit de Triomphe qui ont fait un parcours sans faute, 1.46.41, 106.41. Attention au positionnement des coefficients correcteurs qui seront appliqués. Nous laisserons à Emeric Ménadier le souci, le soin.